Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien choisir un livre en version française à lire. Et c'est parti! Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir une lecture assez contemporaine, assez moderne. C'est tout simplement parce que les livres qui sont un peu classiques, un peu traditionnels, normalement, ce sont des livres pour des vocabulaires compliqués qu'on n'utilise jamais dans la vie réelle. Donc, c'est vraiment dommage de puter comme ça sur des mots qui sont même pas du tout fréquentes sur la communication réelle de nos jours. C'est vraiment à éviter parce que ça va pas nous apporter le vocabulaire dont on a besoin pour communiquer. Et en plus, ça va être quand même compliqué à lire, ce qui va nous décourager. C'est pour ça que d'abord, je vous conseille de choisir des livres avec beaucoup, beaucoup de dialogues, surtout au début. Vraiment plus de dialogues que de descriptions. C'est très important parce que ça permet de se familiariser avec la façon dont les gens parlent vraiment et ça va t'initier aux conversations. Donc, c'est complètement applicable après pour toi dans la vie réelle et pour que tu puisses pratiquer. C'est pour ça que je vous conseille de miser sur tout ce qui est BD, manga. On a l'impression que ce sont des livres pour tes enfants, mais non, ils ont une bonne plume et de l'humour. Du coup, ça se lit très bien aussi pour les adultes. Il y a des valeurs universelles et un humour dedans. Par exemple, j'ai acheté pas mal de livres. Les aventures de Tintin. Okay, les phrases dedans sont assez simplifiées, mais quand même très utiles. Il y a beaucoup, en fait. En fait, les histoires dans tous ces livres sont très intéressantes et je recommande vivement ce genre de livre. Le deuxième conseil, c'est de vraiment choisir un livre qui vous tente à 100%, qui soit quelque chose pour vous de hyper motivant à lire. La lecture, ça ne veut pas forcément dire des romans. Il y a pas mal de non-fiction qui sont quelque chose de formidable. Par exemple, tous ces livres qui donnent des conseils pour améliorer sa vie, que ce soit des façons pour devenir plus heureux, de gérer notre argent, de maigrir, de gérer notre relation amoureuse ou que ce soit des livres sur le développement personnel. Enfin, il y en a tout pour tous les coups. Et ce qui est bien avec ces livres, c'est qu'ils sont écrits dans un langage clair et percutant et c'est assez simple à lire. Par exemple, récemment, je suis en train de lire ces livres concernant le développement personnel. Et je suis pas la galère de comprendre l'idée générale. T'as vu ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a des mots que je ne connais pas, mais ça ne me dérange pas parce que les contenus sont hyper faciles à comprendre. Je recommande de vous pencher sur ce genre de livre parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous intéresse et en même temps, vous pouvez améliorer votre français. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous pouvez choisir un livre en français qui vous va très bien. Au final, comme d'hab, récemment, j'ai fini mon deuxième e-book, Yufa Yidetan. Si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous voulez améliorer votre grammaire, je vous recommande vivement ce livre. Et si vous voulez améliorer votre expression et votre compréhension orale en français, vous pouvez également jeter un coup d'œil sur mon premier e-book, Parler comme un français. N'hésitez pas à cliquer le lien dans le premier commentaire pour plus d'infos et n'oubliez pas de liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se voit très bientôt dans la vidéo prochaine. Ciao!